à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Canap Plus, la suite Déconxété, l'émission réalisée en direct il y a quelques minutes par les étudiants de l'ESEC. Dans cet after proposé par les étudiants en deuxième année de la filière réalisation numérique, notre invité ce matin est psychologue clinicien et auteur du livre Éco-anxiété, mieux gérer ses émotions liées au dérèglement climatique. Nous discuterons ensuite avec deux étudiants présents en plateau pour nous parler de l'émission qu'ils ont préparée. Et ensuite, ils s'affronteront en fin d'émission lors de notre maintenant traditionnelle partie de Mario Kart. Je vous invite, chers spectateurs, à nous écrire des questions dans le chat du live. J'essaierai de les poser à nos trois invités. Pour l'heure, nous accueillons Yvan-Marc Julliard. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, je vais vous poser une petite question. Et ensuite, je vous proposerai notre jeu avec le plateau juste ici. Ok. Est-ce que vous-même, ou est-ce que tu es, pardon, éco-anxieux ? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Comment tu gères tes émotions ? C'est vrai que c'est mon travail, donc bah c'est... Oui. Comment, pour ouais. soi-même Je crois que le premier écosystème dont il faut prendre soin, c'est soi. C'est son propre écosystème interne. Comment on peut prendre soin de l'écosystème dehors, si dedans, on se néglige. Donc c'est déjà d'avoir cette préoccupation de comment soi on gère. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le pays des bisounours et des arcs-en-ciel dedans et dénier la réalité, bien au contraire. C'est plutôt avoir une attitude de prendre soin de son écosystème interne. Très bien. Mmh. Et ben, à présent, je te présente le plateau qu'on a préparé. Tu lanceras le dé et tu déplaceras ton pion sur le plateau. Et en fonction, je poserai des questions. Okay. En fonction de la catégorie. 4. Je vais dans quel sens ? Dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, événement, quels sont les différents événements qui accentuent l'éco-anxiété chez tes patients ? Ok. Bon, il y a soit tous les événements d'actualité, oui. Quand il y a une nouvelle information, etc. Bon, ça, tout le monde le sait. Mais peut-être que l'événement qui est le plus touchant, c'est quand les personnes qui sont éco-anxieuses partagent ça avec leurs proches et que leurs proches disent « mais ça va, c'est pas si problématique que ça » ou « c'est pas si dangereux ». Quand beaucoup de personnes ne croient pas encore en l'éco-anxiété, il n'y a pas de soutien dans une famille ou dans un cercle, c'est ça ? Il y a 4 formes de déni. Oui. Le premier, c'est le déni de la réalité factuelle, les climato-sceptiques, par exemple. Le deuxième, c'est le déni de la responsabilité. Okay. C'est-à-dire, moi, je n'y suis pour rien. L'autre, c'est le déni de la dangerosité. C'est-à-dire, oui, il y a les limites planétaires ont été franchies, mais en fait, ça va. Ça ne va pas être si dangereux. Et le dernier, qui probablement est le plus blessant pour les personnes éco-anxieuses, c'est le dénigrement. C'est-à-dire, elles vont vivre le fait que, oh là là, mais si tu ne fais pas des enfants, c'est pas bien, c'est pas ce que tu devrais faire. Ou alors, mais tu te fais du souci pour rien. Et cette attaque-là de dénigrement, les personnes qui sont éco-anxieuses vont le vivre comme une humiliation et ça va couper le lien. Et notamment quand c'est des parents qui le font avec leurs enfants. C'est-à-dire, tu n'es plus reconnu dans ce que tu ressembles par tes propres figures d'attachement. Et ça, ça crée une blessure. Quoi. Très bien. Est-ce que tu peux relancer le dé ? C'est le principe des repas de famille, ça. Oui, je vois bien. Ouais. Hop là, 6. 6. Départ. Eh bien, on va aller sur pro, alors. OK. Quand on travaille dans les sciences sociales, telles que la psychologie, comment est-ce qu'on appréhende l'émergence de nouveaux concepts et quelles sont les démarches scientifiques qui permettent de traiter l'éco-anxiété comme un vrai mal ? Alors, l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie. D'accord. Voilà. C'est une réaction normale à une situation écosystémique dangereuse. Donc, ce n'est pas une maladie du tout. C'est même une réaction saine. On pourrait dire que c'est même un signe de bonne santé mentale que d'être éco-anxieux.
avec tout ce qui va avec, hein, la colère, le dégoût, la détresse, la tristesse aussi. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un danger qui est réel dehors. Voilà. Et après, comment d'un point de vue professionnel ça se saisit? Bah, c'est intéressant parce que la plupart des pays du monde se sont posé la question à peu près en même temps. Donc la science est en train de s'en occuper. Mais en fait, ce n'est pas les gens qui ont un problème. Oui. Les gens, ils réagissent normalement. Et comment alors on peut essayer de... Soit dans les familles, soit chez tes confrères, pardon, okay. Psychologues, ou même au niveau des institutions, les gouvernements et les entreprises, comment est-ce qu'on peut essayer de, à différentes échelles, faire changer les choses? Okay. Comment est-ce qu'un autre psychologue qui est potentiellement pas très sensibilisé à tout ça peut changer son point de vue et traiter des patients comme tu le fais? Okay. Comment on peut le faire aussi dans la famille? Alors des fois l'éco-anxieuse, elle est tolérable. Et puis des fois elle n'est pas tolérable. Donc du coup des fois elle devient vraiment tellement envahissante, paralysante, elle coupe de la relation qu'on peut avoir au présent. Donc là, c'est vrai que je ne dirais pas que c'est l'éco-anxiété qui devient une pathologie, mais plutôt ça devient un traumatisme. Okay. C'est-à-dire on est traumatisé de ce qui va arriver. Mais là, du coup, on est dans la psychopathologie où là, il y a un traumatisme. Et soit on se dit, bah, ces gens sont trop fragiles et du coup, bah, on doit les soigner. Bon, soit, mais tu sais, c'est comme si on donne des effets ralgans à quelqu'un qui a le cancer, quoi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est plus soigner la difficulté extérieure. Donc, comment les pros, eux, ils font pour se saisir de ça? Ben, je crois qu'on a un devoir d'information. Après, dans le soi, c'est large, quoi. Et comment les gouvernements peuvent faire? Ouais, alors, je vais reprendre ouais. sur ouais, ma question était là, je le conçois. Comment les autres psychologues, il y a le devoir d'information, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un devoir de formation? Ok. Bah, je ne sais pas quelle est la profession où il n'y a pas un devoir de formation sur ça. Avec l'évolution du monde. C'est-à-dire aujourd'hui, le terme il est apparu dans le DICO en 2023, le terme éco-anxiété. Ok. Ça arrive, c'est en cours. Voilà. Nous, les psys, on n'était pas en avance, pas plus en avance, pas plus en retard que les autres. Et c'est vrai que les gens sont profondément touchés. Et s'ils sont touchés et que ce n'est pas traumatique, en fait, ils n'ont pas de problème. C'est le monde extérieur qui a un problème. Ce n'est pas eux. Très bien. Mais si, pour le coup, le psy, lui, il est dans le déni climatique, oui. ou dans une des formes de dénigrement, alors ça va retraumatiser le patient. Et donc c'est le même chemin pour que le psy aussi change son point de vue là-dessus. Ouais, on doit tous changer. Très bien. Mais est-ce que tu peux rejeter le dé? 5. Anecdote. Anecdote. Alors, quelle a été ta première sensibilisation à l'éco-anxiété? Je peux te dire le jour où je l'ai pris en pleine figure. Eh ben, très bien, c'est une anecdote qu'on voulait, donc ça, ouais, ça va bien. J'étais dans le marais Poitevin avec mes enfants et ma femme. J'étais en train de lire le bouquin de « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne. Okay. Je me suis traumatisé. C'est-à-dire, waouh, je voyais des molécules de carbone de partout. Tous les mégots qui traînaient sur le bitume, je les voyais. Je voyais les masses de voitures s'entasser, dont la mienne, d'ailleurs. Et je me suis dit, mais c'est horrible. D'un coup, en quelques jours, j'ai réalisé dans quel monde on vivait et comment toute cette destruction était actuelle. C'était pas un truc qui va arriver, c'est un truc qui arrive en cours, tout de suite. Quoi. Et c'était à quel moment, ça? En quelle année? Non, je ne sais plus. Il y a longtemps? Ouais, j'avais pas trop de cheveux blancs. Très, très bien. Est-ce que tu peux relancer le dé? Perso.
Et donc, tu m'as parlé de ta femme et de tes enfants. À titre personnel, comment tu gères leur éco-anxiété? Tu m'as parlé de la tienne en début d'émission. Et là, pour ta famille? Alors, on ne gère pas l'émotion des autres. Ouais. Mais voilà. Comment... Alors après, vis-à-vis des enfants, c'est un peu différent. Parce que nous, les parents, on est censés être des figures d'attachement sécure. Donc ma femme n'a pas besoin de moi pour gérer ses émotions. Oui, mais il y a bien des patients qui viennent dans ton cabinet, donc potentiellement ta femme a... Oui, mais potentiellement tes compétences professionnelles peuvent te servir avec ta femme et tes enfants. Non. C'est complètement différent. Mais par contre, je peux te raconter un moment où mon fils a, je sais pas, 4, 5 ou 6 ans, et il me dit, mais pourquoi tu tournes la pelouse, en fait de... Je dis, c'est vrai, ça... je tourne pour que ça soit joli. Il me dit, mais si tu tournes, en fait, il n'y a plus de fleurs. Et s'il n'y a plus de fleurs, il n'y a pas de nourriture pour les abeilles. Et là, je me suis arrêté. Je l'avais lu, mais peut-être 10 fois avant. Mais je n'avais rien fait. Et je dis, en fait, tu as raison. Tu as raison. Pourquoi je tourne? Je ne sais pas, en fait, pourquoi je tourne. Parce que j'ai toujours fait comme ça. Du coup, à partir de ce jour-là, j'ai pratiqué une tonte, mais... partielle, en laissant toujours des fleurs. Ok, ouais, pour garder un peu d'écosystème. Pour garder un peu d'écosystème et aussi pour valider le fait que l'intelligence, elle ne vient pas du plus vieux. Oui, et il suffit que quelqu'un nous le dise, quelqu'un qui nous touche nous le dise. Voilà, et en faisant ça, peut-être en tout cas, mais sa pensée est plus intelligente que la mienne. C'est moi qui suis bête à tout tondre. Et lui, de son petit âge, avec son petit cerveau, en fait, il est brillant. Donc, les plus âgés ont des choses à apprendre des plus jeunes, et une bonne chose de le rappeler, merci. Est-ce qu'on peut recommencer avec le dé? Re-anecdote. Une nouvelle anecdote. Depuis la rédaction de ton livre, Éco-anxiété, mieux gérer ses émotions liées au dérèglement climatique, est-ce que tu as trouvé d'autres manières d'appréhender les émotions des gens et de comment ça a évolué depuis ton livre est sorti en janvier 2023. Ouais. Donc depuis ça, ou même depuis avant l'impression. Ok. Merci de la question. Ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que les gens étaient traumatisés. Oui. Avant, je croyais que c'était juste une émotion éco-anxieuse. Et là, cette dernière année, j'ai fait plein de conférences et j'ai vu des gens profondément traumatisés. Traumatisés, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à se connecter dans le présent, ils n'arrivent plus à connecter leur espoir. Pas tous, mais certains. Et je crois qu'il y a quand même de considérer que ça crée un trauma. Ce qui crée un trauma, ce n'est pas notre éco-anxiété. Ce qui crée un trauma, c'est le danger qui est dehors. Et le regard des autres aussi. Et que ça m'a profondément touché, parce que quand on est traumatisé, on se sent seul, on se sent impuissant. On pense qu'on n'a plus de pouvoir et on n'arrive plus à connecter notre espoir. C'est-à-dire, on se dit, mais l'avenir, ça sera quoi, en fait? Et là, il n'y a pas de réponse à ça, ça sera juste rien. Quand on est traumatisé. Et en soignant le traumatisme, parce que du coup, on peut faire en accompagnement, pas forcément auprès de psy, d'ailleurs. Même les groupes, ou tous les groupes de militants, ils ont des cellules un peu pour discuter de tout ça. Ouais, c'est ça. Ça extirpe les gens du trauma et ça les ramène à la vie. Et ça, on ne peut pas le faire seul. C'est-à-dire qu'on doit être en lien, on est programmé biologiquement pour être en lien avec les autres, là on se parle. Oui, mais il faut en discuter. Et c'est ça, il faut en discuter, il faut le partager avec des gens qui, eux, arrivent à connecter leur espoir. Parce que si tu discutes avec quelqu'un qui est aussi traumatisé que toi, tu arriveras à une conclusion simple, c'est on va tous mourir en enfer et on va monter une armurerie, quoi. Ok. Et quel serait le message qu'on pourrait, en plus de dire à nos spectateurs, peut-être éco-anxieux, d'en discuter avec d'autres personnes, et qu'est-ce qu'on pourrait leur dire d'autre? Que tout n'est pas perdu Sur l'avenir, moi, je ne sais pas. Ouais. Mais pas du tout. Okay. Ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'être en lien avec les autres. Moi, je vis à la campagne. C'est compliqué pour moi d'être en lien avec un chasseur. Ouais. Bon, moi, c'est compliqué.
c'est compliqué de penser qu'ils ont raison. D'autant plus que la plupart du temps, je suis un peu super bien informé sur les questions. Mais de se dire, bah, ces gens-là, on doit composer avec aussi. Ils ont un point de vue différent et qui n'est pas toujours le nôtre, mais... disons qu'ils respectent les règles qu'on leur a dictées. Qu'on leur a proposées. Et c'est les règles qui ne sont pas justes. Et si on donne des règles justes, alors ça va. Et de ne pas perdre le lien. Parce que si on se rejoint juste entre nous, le cercle militant, et qu'on se dit que nous, on a raison et que les autres sont des cons, en fait, on coupe le lien. Ouais. Et je crois que, quelque part, il y a cette nécessité d'être en lien. On en a besoin biologiquement. On sécrète de l'ocytocine. Quand on fait un câlin, quand on est en lien avec les autres. Et sans cette ocytocine, en fait, on dysfonctionne. Ok, donc c'est... Donc, il faudra, même dans les campagnes, donc, il faudrait qu'on puisse discuter avec aussi les chasseurs, essayer de discuter avec vraiment des arguments de chaque côté, être ouvert à la discussion. Je ne sais pas s'il faut débattre ou discuter. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense que le débat, c'est un petit peu comme 14-18, c'est-à-dire on creuse une tranchée, on dit que l'autre est un imbécile et que nous, on a raison. Souvent, le débat, c'est ça. Je crois que c'est plutôt... accueillir qu'on est d'accord sur le fond, c'est-à-dire qu'on veut que on pourrait dire générations futures, moi je dirais juste les enfants, en fait, et un monde qui soit juste acceptable et dans lequel ils puissent être heureux. Si on oublie cette priorité-là, ça n'a pas de sens. Donc, comment faire ? Moi, je ne sais pas. Je sais par contre que c'est les règles qui posent problème. Beaucoup plus que les individus. Les individus, on n'est ni bon ni mauvais, c'est pas ça la question, mais par exemple, tu sais, sur les médias, quand on dit qu'il se passe un truc dramatique, on va montrer les flammes et les vitrines cassées, sauf qu'en fait, si on regarde juste la réalité, il y a plus de comportements pro-sociaux d'entraide. Oui, que de casseurs et de... C'est ça. Potentiellement, ces comportements peuvent desservir la cause, mais sont minimes par rapport à tout le reste. Ouais, c'est ça. On va relancer une dernière fois le dé, et après notre entretien s'achèvera. 4, 1, 2, 3, 4, repro. Repro. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu penses que l'éco-anxiété est un malaise que contemporain, ou est-ce que ça existait bien avant les 10 dernières années, les 20 dernières années? Ok. Bon, déjà, que ça soit planétaire. Ça, c'est sûr que que maintenant. J'imagine que sur l'île de Pâques, quand ils ont coupé le dernier arbre, ils ont dû vivre ça à bien des endroits. Donc, je ne suis pas spécialiste de l'histoire. Je ne sais pas. Ouais, historiquement, on n'a pas de... Je ne sais pas. Moi, c'est juste moi qui ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas trop. En tout cas, c'est intéressant qu'à un moment, tous les individus de la planète... se mettre à avoir une émotion qui est similaire également aux animaux. C'est-à-dire le renard qui a un territoire qui est attaqué va se sentir en danger. Et là, bizarrement, les homo sapiens et les non-humains, toutes les petites bestioles, quoi, on partage quand même cette émotion de danger. C'est planétaire et ça dépasse les humains, très bien. Ouais. Je ne l'avais pas vu dans ce sens-là, mais très bien. Eh bien, notre entretien s'achève. Est-ce que tu as rajouté quelque chose pour finir? Il y a la lucidité, c'est-à-dire voir clair, et la clarté qui est de pouvoir gérer ses émotions. Okay. Si on oublie ça, alors on peut être lucide et se tromper de voix. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Canaplus. Et j'espère que tu as passé un bon moment. Super, merci. Merci bien. Nous allons bientôt accueillir deux étudiants, Chiara et Grégoire, qui ont préparé l'émission sur laquelle tu as intervenu tout à l'heure. Et je t'offre un petit cadeau de l'école. Sympa. Un sac rempli de goodies de notre école. Voilà. Merci beaucoup.
De retour sur Canap+, j'accueille à présent Chiara et Grégoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et puis nous expliquer vos rôles aujourd'hui chacun? Chiara? Alors, moi, du coup, aujourd'hui, alors déjà, je m'appelle Chiara, je suis en deuxième année de production, du coup, à l'ESEC. Et aujourd'hui, j'étais productrice sur le direct de ce matin sur l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, oui. Donc, voilà. je te poserai plus de questions juste okay. Après. On va laisser la parole à Grégoire. Dis-moi, tu es dans la filière son, c'est ça? Oui, en deuxième année, filière son à l'ESEC Lyon. Et qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui? J'étais responsable d'interphonie. C'est quoi? C'est toute la gestion de la communication entre le plateau, ouais, la régie et la régie. Et donc, comment ils discutaient tous ces gens? Ils ont un casque et un boîtier, ouais, qui leur permet de communiquer par oreillette, enfin par micro-casque. Ils appuient sur un push-to-talk et ils peuvent communiquer chacun en donnant des ordres. Ok. Et en donnant un pseudonyme pour savoir à qui on parle. Ok, très bien. Là, vous venez de sortir à peine du plateau, et toi de la régie, du coup, j'imagine. Oui, c'est en régie. À chaud, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission, Chiara? Alors, toi qui étais productrice. C'est encore mieux que ce qu'on avait écrit et que ce qu'on avait imaginé. Oui. Je suis vraiment super contente de la tête qu'elle a, enfin l'émission, hein, de la forme qu'elle a pris, de... justement cet échange qui a été hyper fluide et très naturel entre les invités et Alexandre, et du coup bah je suis vraiment je suis super contente. On n'a pas eu de bug, on n'a pas eu de problème, donc vraiment c'était trop bien. T'as assisté à l'émission en plateau ou t'étais aussi dans la régie? J'étais en plateau, oui. En plateau, ok. Oui, du coup j'étais vraiment en face de tout le monde, donc c'était vraiment trop bien. Et... Donc la pression, elle retombe, là, ça y est Là, j'arrive pas encore à croire que c'est terminé. Ouais. Je pense que demain, je pleure parce que c'est terminé. Ouais. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je sais pas, j'ai chaud, je transpire. C'est terrible, là, pour l'instant, mais... Ok. Et toi, Grégoire, comment ça s'est passé de ton côté? Bien passé en plateau et en régie, on n'a pas eu de problème. Et ouais, demain, ça va être une autre journée. Ouais. Ça va être plus calme. Repos demain. Repos, ouais. Tu gères l'interphonie aussi sur l'émission de cet après-midi ou non, pas du tout? Non, cet après-midi, je suis en responsable diffusion. C'est quoi, du coup, si tu peux? C'est gérer la diffusion sonore dans l'amphithéâtre de l'école. Ok. Et à côté de la machine à café vers le plateau 3. Ok, non, du côté... Oui. Ok, je vois bien. Et toi, Chiara, de cet après-midi, c'est off, c'est fini, là? Bah, ouais. Alors, moi, je suis en plus, dans la production pour le rap, j'étais en aide. Au final, ils n'ont pas eu besoin de moi, donc vraiment, ils ont très bien géré tout seul. Et du coup, bah, je vais quand même assister oui. pour voir leur travail, parce que ça va être une belle émission aussi, je pense. Vous étiez trois producteurs à préparer, oui, tout travailler à fait. Avec la réalisatrice Lise aussi. Oui. Comment ça s'est passé pour les deux autres producteurs, Thomas et Gabin, et pour Lise après? Alors, pour Thomas et Gabin, je pense que ça s'est bien passé aussi. On n'a pas eu le temps de trop débriefer, pardon, mais ils avaient l'air quand même contents. On était hyper contents, tous les trois, d'avoir nos invités, d'avoir ces invités-là précisément et tout ça. Donc, je pense que pour eux, ça s'est bien passé aussi. Hein. Ils n'ont pas l'air d'avoir été trop stressés. De toute façon, ils sont très très cool, donc le stress, eux, je ne sais pas. Enfin, ça ne se voit pas chez eux. Donc, Elise, comment ça s'est passé? C'est une élève de la, une étudiante de la filière post-production. Post-production, exactement. Qui a réalisé l'émission. Comment ça s'est passé de son côté, tu sais ou pas? Alors, je sais qu'avant, elle était assez stressée. Il y a sa maman qui est venue en régie avec elle pour, je pense, la soutenir un petit peu. Parce que Bichette, elle avait l'air un peu stressée. Mais elle est très calme aussi. On a eu une équipe qui est quand même assez calme. Donc, ouais. En fait, au niveau stress, on a plutôt pas mal géré. Ouais. Ouais. Et personne s'est crié dessus ou quoi que ce soit. Bonne ambiance. Donc, franchement, ça avait l'air d'aller. Et puis, on l'entendait parler dans le micro. Petite voix toute douce, toute calme. Donc, on était... Bon, c'est que ça va. Okay. Et vous êtes content aussi de ce qu'elle a fait toi, tu as pu voir peut-être plus, Grégoire, ce qu'elle a fait pour la diffusion? Je crois qu'elle était contente de son travail. Et, ouais. Et les autres elle a géré. Les intervenants, alors, tout ça. Ouais, elle a géré. Elle a vraiment géré.
Elle a très 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 bien géré, vraiment. C'était... Je suis très contente de son travail. Donc, Toi aussi ? Ouais, moi aussi. Ouais. Très bien. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi tous les deux vos filières qui sont différentes, complètement opposées ? Racontez-moi un peu. Bah vas-y, commence. Moi, j'ai toujours adoré écouter la musique plus jeune, avec mes... grâce à mon frère qui a joué de la qui jouait beaucoup de guitare plus jeune, et ma sœur qui a fait du piano. Ok. Toi, tu étais musicien ou pas du tout ? J'ai eu l'occasion de faire du violon et un peu de batterie aussi à l'occasion. Okay. Donc c'est le son ouais, le de son, la musique qui t'a amené au son ouais, c'est ça. Ici. Et en sortant de l'école, tu voudrais faire quoi ? Soit Perchman sur les plateaux, bosser en studio en post-prod, ça, ou partir faire du live sur des grosses consoles, faire du concert, du cinéma ou des grosses émissions en live. Quand tu parlais des plateaux au tout début, c'était les plateaux d'émissions ou des plateaux de tournage de fiction ? Les plateaux de tournage. Ok, très bien. Et toi, Chiara, pourquoi t'es allée en filière production ? Alors, je ne saurais pas vraiment expliquer mon choix parce que j'ai beaucoup hésité avec la Stana Real. Et en fait, je pense que moi, je préfère planifier avant tout ce qui... Enfin, tout. Non, parce qu'on planifie vraiment que 30% de ce qui peut se passer et 70% de galères sur le plateau. Ouais, en fait, je pense que j'aime bien prévoir tout un peu à l'avance, être à la fois dans les papiers, mais à la fois aussi sur les tournages et voir un peu comment ça se passe. Bon, à l'école, hélas, on n'a pas trop l'occasion, nous, prod, d'être trop sur les tournages, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir faire les deux et de voir justement ce, le contraste, en fait, d'être dans les papiers et au final de voir un peu... certaines galères qu'on peut avoir, en fait, en vrai, et pas que forcément le planifier, entre autres, et jamais voir la couleur de ce problème. Là, au moins, sur le plateau, on est vraiment dans le truc, alors qu'en production, on est plus à l'imaginer. Et du coup, en soi, nous, ce qu'on fait en production, on fait vachement les deux, à pouvoir imaginer et à pouvoir, du coup, voir le vrai problème. Donc j'aime bien ces deux côtés-là et je trouve que la prod pour moi c'est ça rassemble un peu les deux. Et en sortant de l'école, tu veux faire quoi ? De la prod. La prod. Non, le blague à part. Je regarde le chat en même temps. Je sais pas trop encore ce que je voudrais faire, peut-être de la direction artistique, peut-être rester dans la prod déléguée ou des trucs comme ça. Je verrai là où le vent me porte. OK, t'as... mais en fiction ou en émission, tu sais pas. N'importe, télé, vraiment, tout me plaît. Le documentaire ça me plaît, la série, ça me plaît, les longs métrages, les courts métrages, ça me plaît aussi. Donc vraiment, tout m'y reste. T'es assez ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez me rajouter sur l'émission, sur votre filière, sur quoi que ce soit ? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter, surtout aux spectateurs ? Je peut-être que... Dites-moi. Je suis contente. Donc, vraiment... Non, mais vraiment... T'es encore sur ton petit nuage. Je suis là pour l'instant. Il y a toutes les endorphines qui sont montées. Ouais. Et j'attends que ça redescende. Mais là, ça redescend pas. Je suis trop heureuse. globalement, je suis hyper contente. Et puis, je trouve que avec ma filière, on a plutôt bien géré pour l'instant, les 5 émissions. Oui, parce que la 6e arrive tout à l'heure. Ouais. Mais globalement, je trouve qu'on a super bien géré et que ça aurait pu être vraiment pire. Puis même vous, en technique, vous et avez... Et toi, Grégoire, au niveau technique, ouais. Peut-être tu peux dépasser le son. Est-ce qu'en en image, en côté de la filière son et post-production, comment ça s'est passé aussi de ton côté ? Nous, ça s'est très bien passé. On a eu quelques problèmes sur les lives précédents, mais on a fait au mieux pour régler les problèmes le plus vite possible pour les lives suivants. Et là, il y en a eu ? Il y en a eu quelques-uns, oui. Bah, raconte-nous. On a eu quelques Larsen sur, sur un des micros HF au début. On a essayé de régler le problème le plus vite possible avec les EQ. Ouais. Et après, sur la technique, j'attendais ces lives avec impatience. C'est ce que j'attendais le plus depuis le début de l'année. Manipuler des consoles, mettre des micros HF, j'en avais jamais mis. Puis manipuler les consoles. Et voir les plateaux, le plateau se construire autour des émissions. Très bien. Rapidement, pour finir, vous pouvez nous parler de votre programme jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire ? Toi, Chiara, je crois que tu as encore un peu de boulot pour l'émission. Oui,
ouais, moi je vais devoir faire le dossier de prod maintenant, qui est essentiel à un projet, pour le présenter ou quoi que ce soit. Donc là, on va faire du dossier de prod et après, c'est une très bonne question. Ok, et toi, Grégoire, tu sais sur quoi vous allez être lancé Ouais, lundi, on est en rangement, après, on est en TD micro stéréo, et après, on est en TD. TD. Sound design. Et après, je me rappelle pas très bien la place du temps, enfin, je regarde. Très bien. Pour conclure cette émission, je vous propose de vous. Vous lancez sur une course de Mario Kart. Est-ce que, rapidement, avant qu'on se lance, est-ce que vous pouvez me donner votre niveau ? On a le classement qui va s'afficher. Est-ce que vous, où est-ce que vous sentez ? Comment vous... Bon, Mario Kart, qui va gagner entre vous déjà et où est-ce que vous vous situez sur le classement qui est juste ici? Alors, je pense que pour moi, si les pingouins pouvaient jouer à Mario Kart, c'est plus fort que moi. Ok, donc. Ouais, c'est vraiment, je suis vraiment très très nulle. Ton objectif, c'est de pas finir 12e du coup, uniquement? Ouais. Ok. En vrai, si j'arrive à finir même 10e, je serais contente. Et toi, Grégoire? Moi, ouais, à peu près pareil. Si je peux terminer au milieu du classement ou pas trop bas, ça peut être bien. Ok, donc deux pingouins ce midi. Exactement ça. Très bien. Et ben, je vous invite à prendre chacun vos manettes et sélectionner le jeu avec A directement. C'est bon ? Multijoueur. La course VS, ouais. Ouais. Je vous laisse choisir vos personnages. Et puis rapidement, comme ça, après, on va pouvoir passer à la partie de Mario Kart. Qui n'a pas choisi? C'est bon. Choisissez vos véhicules et après on passera à la course. Vous allez concourir sur la même course que les précédents pour vous serez jugé sur le au temps pour faire le classement, donc ça sera la même course que les autres. Là vous pouvez faire OK aussi, les réglages sont bons. Là aussi c'est tout bon. Là c'est la course circuit Yoshi. Non, on reste au-dessus et la première course à gauche. Voilà, super. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Il me semble qu'il faut regarder droite. Je peux skipper. Oui, vas-y. Et du coup, donc, la... c'est parti. Donc, Baby Luigi, c'est... Chiara et Grégoire, non c'est l'inverse. Alors toi t'es la princesse, c'est Peach, je sais pas. Non c'est Harmony. Harmony, pardon, tu vois, je suis encore plus nul que toi en Mario Kart. Ouais, mais en fait, c'est parce que je me suis entraînée avec elle parce que je savais qu'il y avait le. Bon, t'es 9e déjà, c'est déjà mieux que 12 et Grégoire. Voilà. Ah bah 11e, ok. Voilà, voilà. Grégoire qui. Qui nous a dit qu'il était pas si bon, mais il est 4e, donc ça va. Alors sincèrement, si tu peux éviter de tomber dans l'eau, Chiara, repars, dis-nous. Je sais plus trop ce que je voulais dire, mais. Oh là là, je suis nulle. Hey, je sais même pas quelle est la différence. Et toi, Grégoire, je vais t'embêter un peu vu que tu réussis bien. Oui, chacun son tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus quand on n'a pas eu le temps d'évoquer sur la séquence précédente? Sur les lives? Ouais, raconte-nous une anecdote sur les lives. Oh, bah, on avait un petit problème avec la console Yamaha qu'on utilise en régie. Ouais. On a un bouton qui a été abîmé une année précédente. C'est pour le son ou pour le... Ouais, pour le son, ouais. Ouais, toujours le son. La console qui gère les micros, tous les micros en direct. Ouais. Et les façades. On a eu un problème avec un des boutons. Et le prof était pas super content parce que le bouton avait été réparé, il s'est recassé pendant notre semaine de prépa.
Ok. Ah ouais, ça je savais pas ça. Ouais, et vous avez pu le réparer entre temps ou... Non, on avait une autre possibilité pour éviter tout ça. Okay. Vous n'avez pas été plus bloqué par ça. Non. Bon, Kiara est 12e. Hein, bon. Oui, mais non, mais ça c'est. Alors vraiment, qui ça étonne niveau. Moi, pas du tout. Voilà. Vous êtes tous les deux au. Ah non, Grégoire est passé au 3e, troisième tour, et Kiara bientôt, voilà, 3e, 9e, c'est bien. Non, mais moi je voulais juste le truc là, comme ça. Tu vas rattraper un peu. Vas-y, essaye de rattraper Grégoire. Bah, tu l'as doublé, voilà. Grégoire va peut-être arriver, je sais pas, si tu retombes dans l'eau une nouvelle fois. Et oh. Il est repassé devant, voilà, on le voit. Et voilà. Ok, bon, bah, 7e, très bien, allez. j'en profite pour dire que tout à l'heure, en fin de 6e épisode de Canap Plus, on aura la finale. Donc, Kiara, je ne suis pas sûr que tu y sois. Alors, ah, si, 7e, vas-y. Franchement, ça m'étonne que j'y sois pas. Hein. Alors, voilà. Mais toute la compétition. Et ben voilà, vous avez fini tous les deux. Bravo. Très bien. Ça m'a stressé. Ça m'a plus stressé que le direct de faire un Mario Kart. Et est-ce que pour finir, vous voulez ajouter quelque chose chacun Non. Ouais, merci à nos encadrants pour la partie son. Ouais, on a été bien formés, on a eu le temps d'être briefés avant les lives. Est-ce que tu veux remercier une personne en particulier ou plusieurs personnes en donnant leur nom les deux Pascal au carré, Pascal Indélicato et Pascal Jacquet. Merci. Alors moi j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont encadré, les Fred, Fred oui. Bans et Fred Juel, Philippe Dubas. Donc Fred Bans qui était pour la post-prod, Fred Juel pour l'assistana et réalisation, donc les assistants réels qui ont vraiment très bien fait leur job. Et Philippe Dubas. Et Philippe Dubas qui nous a encadré pour le... en production, et aussi remercier Alexandre qui a fait le déplacement. Oui. Alexandre Chabal, le producteur, le présentateur. Qui a fait qui s'est déplacé une année de plus pour animer nos émissions. Donc, les 6 émissions. Vraiment, je les remercie tous. Après, j'oublie forcément des gens, mais merci à tous. On va aussi... faire un petit bonjour à Stan Vart qui est chez lui, qui nous regarde et qui nous met toujours des messages dans le chat. Ouais. Et donc voilà, c'est comme ça que s'achève notre cinquième épisode de Canap Plus, réalisé en direct par les étudiants de la filière réalisation numérique. Et vous retrouverez l'école en live dès 15h30 pour Rapologie, pour la dernière émission de l'ESEC pour ce week-end. Et ensuite, vous retrouverez les invités et deux étudiants encore, accompagnés par Nicolas Bouchard pour leur poser des questions. Voilà, à très vite. Au revoir.